de la brosse Nathan, juste pour une nouvelle vidéo sur Tekken Battle, évidemment, pour une fois, c'est pas le temps, j'ai pas posté de vidéo, donc voilà. Nous, aujourd'hui, on va faire une présentation de ma box de avant les 3 ans, même si ça date un peu, et de après, et du coup, ça revient à une transition entre avant les 250 millions, et après, j'aurai fait une vidéo après les 250 millions. Bon, déjà, je vais vous présenter ma box avant. Les 3 ans, donc là où j'ai une petite pas changé. Si j'ai Dokkan le 17, enfin je pense que c'est 7, mais voilà. Je vais montrer la team d'avant. Alors, là j'ai préparé les screens, ça date de je sais plus quand, parce que j'ai pas eu le temps de les faire avant, j'avais 238 DS, pas ouf. Merde. Bon, alors, déjà on commence avec Vegito Bleu LR 100%, Satan, Spedis, et voilà. Et le LR C17, c'est du TLR. J'avais le Dokkan le Super Saiyan 17. Ah ouais. Et du coup, j'ai mis le doublon et le Spedis maintenant. Pareil pour Gohan, qui est Spedis actuellement. Le Goten CSG3 qui était SP1 avant. Rosé qui était SP4 ou 5, je crois. Megate qui était SP10 déjà. Boo qui était même pas qui était SP1 ou 2, je crois. Gogeta qui était Spedis, évidemment. Gogeta Spedis. Après, tous les Omega Shenron. Gogeta 4, Vegeta 4, Goku 4 était Spedis. Pareil pour Vegeto Blue, Zamasu Tech, Zamasu, ouais. Zamasu était pas Spedis, mais presque, je crois. Et j'ai fini par Spedis pendant les 3 ans, enfin vous verrez bien de toute façon. Après il y a les cartes intermédiaires, on va dire. Donc vous voyez que j'avais quand même pas trop mal des Neo God et deux leaders de catégorie, donc j'avais une bonne box qui pendant les 3 ans s'est juste mais améliorée de fou, vous verrez bien de toute façon. Gogeta puis qui était bon, je l'ai fini par Spedis parce que finalement il était très fort. Je crois que j'ai augmenté le potentiel de comment il s'appelle, de Goku CG3 qui est tout en bas là, le petit ZTUR. Le Goten CG3, j'avais fait deux doublons dessus, ça n'a pas changé parce qu'il n'était pas dans le portail. Et après, ça on verra bien, après c'est des petites cartes, je vous montrerai plus en détail plus tard. Le Beerus Tech que j'ai mis Spedis qui est un monstre, enfin plein de gens trouvent qu'il est mauvais, enfin c'est pas un putain de monstre, mais il fait beaucoup de dégâts dans ma team divin. Et maintenant je le mets tout le temps dedans parce qu'il rapporte pas mal de PV, en plus j'ai trop doublons dessus donc c'est pas mal. Pareil pour le Goku Agi. Qui maintenant bah vous verrez bien Spedis avec combien de doublons, bah, je vous montrerai. Voilà, c'est et voilà, oups. Bon, alors par contre, maintenant on va aller sur Dokkan et là, oula, hop, on fait comment on va faire. Bon, alors on va recommencer du bas, on va aller plus rapidement. Bon, alors durant les 3 ans de Dokkan, lui, je sais pas si t'as envie, mais je sais le fait. J'ai eu plein de nouveaux persos, comme vous pouvez le voir actuellement. J'ai eu lui, ça me semble bien, lui. Faut jouer mon petit unité comme ça, hein, d'accord. Bien de bon, lui. Lui, je l'ai eu avec les pièces de 3 ans, à la fin du film, il me reste rien. Ah oui, petite anecdote. J'ai fait des invocations sur le portail du PSLR. Extrêmement mauvaise idée, évidemment. J'invoque premier accessoire imbibou, c'est ce fils de teint qui descend. Qui sort là. Très belle salle, du coup, c'était l'air, j'étais tellement content. J'ai un ascenseur émotionnel. À cause de ça, je vais faire une deuxième multi. Ça va où ? Donc, après, j'ai eu des petites multi, je sais pas, genre, j'ai eu une caméra. Regarde, c'est la main de l'air, le LR qui sort aujourd'hui, là, j'ai eu plein de multi, enfin, là, rien du tout, j'ai eu tout ça. Du coup, le VLR, on va suivre le prochain, parce qu'il n'y a pas le TB arrive bientôt. Lui qui aura un token prochainement, si j'ai bien compris. J'ai commencé à fabriquer juste ce qui vous plaît, ce 3-là, là. Après, j'ai eu un deuxième double sur mon grand max.
si François François Doquin est une autre chose qu'il est utile quand même. La planque, j'ai commencé à bien farm. Pas bien. Enfin, quelques fois. Ensuite, qui d'autre ? Lewis, pas mal du tout. Lui, j'ai fini de le farm en même temps. Lui, j'ai droit sur les 3 ans, c'est sûr. Lui aussi. Il n'a pas eu de doublon, mais lui. Le végétal, il s'en est beau aussi. Lui aussi, je l'ai eu 2 fois le matin. Bon, lui, évidemment, normal, il est 3 ans. J'ai eu lui, qui est assez bon, aux 2 d'accord aussi. J'ai enfin eu le qui je n'avais pas eu très content. Le nouveau beaucoup TNTM, qui est une spécialité. Slack va arriver, j'espère. J'ai eu le petit bout, le bout athlétique, donc il n'y a pas participé au tournoi, évidemment. J'ai eu le type tech qui est pas trop mal dans le même système, mais le problème c'est que je n'ai pas de freezer. J'ai eu le petit Sushin Run qui va venir compléter ma petite. Dans la team Dragon Divin, il manquait un personnage, je crois, il me semble. Avec la pro, mais la pro de drop. J'ai aussi Dokkan farmé de Dokkan Simon en l'utilisation de Metal Ride. Là, je ne suis pas ma team extrême. Je vous montrerai après. Je m'occupe de Jemba et c'est un vrai pack. J'ai eu le Goku, pas sans faire ça, sur la façon de recevoir. Il va falloir que je porte du Dokkan déjà pour l'instant. J'ai eu un doublon. Il me semble que Johan, pas du tout. D'ailleurs, les étoiles sont arrivées, on n'a pas eu le boulot, on s'est fait baiser, on a totalement baisé. On va cliquer sur Battle Mato et avec le switch. On a eu aussi la machine végétale, je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, on monte un petit peu, j'ai fait intéressant, c'est 17. Donc, les bonnes sorties avec Jérôme, donc ça doit être dans un mois et demi, un truc comme ça, après 250 millions, je pense. Je farmerai, je le mettrai pas seul parce que la team cyborg est sur une univers et les bonnes, c'est un bon support en plus. Ensuite, je crois que j'ai un peu bon goût, je l'ai pas mis encore, mais je l'ai mis. J'ai drop plus. J'ai recommencé à farmer le rallye parce que j'avais pas du tout farm en fait, j'avais totalement à fond. Et avant les 250 millions, quand je suis vraiment avec con, j'ai bien fait ça. Bon, alors, grâce à lui, j'ai aussi réussi à faire le Battle Road, j'ai aussi le super, enfin, super intelligence et le super ambiance, hein, le sera plus. Je vous offre évidemment la 3 comme je disais juste avant. J'ai commencé à faire mon Treasure Island. Bon, c'est pas fameux, mais voilà. Le point de vue, bon, point de vue, c'est le principal que j'ai fait. Je vais la faire parce que j'ai commencé et puis je suis parti en vacances, donc j'ai pas vraiment de temps. J'ai fait ça pendant les voyages, donc après, il y a juste Buta et Giz qui sont 300. Donc après, quand je jouais, il y avait Multivirus qui est ma foi très bon pour moi. Parce que pour le bon, il est peut-être plus pur avant. Vivement, faisait plaisir sur le terrain, il va être deux chances, il va être chambé. Le deux chances qui va pas changer. Le Vuan, j'ai drop un troisième doublon, je l'ai mis de 10. Il fait quand même pas mal de dégâts dans les streamers, ok. Le problème c'est qu'il manque le bon axe. Pour lui ça n'a pas changé, Freezer aussi, pas changé. Je l'ai Dogan, c'est le Zipteur qui est arrivé donc très bonne idée. Le Full Power qui n'a pas changé, mais c'est la note sur le canon du coup. Je suis perdu de DR, mais bon, c'est pas pour ça que je suis perdu de DR, mais c'est pour ça que je suis perdu. Le Vegeto, Agilité qui n'a pas changé, c'était du normal. J'ai juste potentiel un peu. Les Spécifiques 4. Bon, franchement, je m'en occupe. Lui, il est 10. Il y a 3 doublons et je vous jure qu'il est très fort. Attaque et défense plus 80% dans une attaque spéciale. Et cette attaque à l'infini, il manque plus 80%. C'est un bon. C'est un putain de bon. Je sais pas si c'est un fort. Bon, on a la carte, je pense. J'ai mis Spidus le Golota, qui fait quand même quelques dégâts, bon, je parlais tous pas perso Battle Road, mais voilà, j'ai peut-être pas mal de persos, dont, je me bats les couilles, j'ai mis 2 cas, j'ai pas
plus la peine de le prononcer parce qu'il est vraiment nul. Le petit Gohan, bah, j'ai trop pris tout de suite, Gogeta, rien du tout. J'ai pas d'ordre de. Putain, je vais faire un jeu explique à FMD, mais de toute façon, j'ai pas de téléphone. Mais... T'as pas de ouf. Après, j'ai pas compté. Si, j'ai eu un doublon, je crois. Oui, mon doublon, je l'ai mis sur le. J'ai mis sur lui, qui est vraiment qui là, et je l'ai pas du coup. Donc, il va être pas trop mal dans la team. Super ambiance, super intelligent. Lui j'ai mis Spedis, je crois que j'avais trop de boulons, en fait j'avais seulement un boulon, donc je l'ai connu, j'aurais jamais dû le faire, très con. Même si j'ai encore 5 bagues en plus. J'ai mis Spedis, il avait un boulon, voilà, il est pas trop mal. Et là, comment ça va faire dans le vif du sujet, lui, j'ai droit pour le boulon. C'est un putain de mort, je jurais, c'est un putain de mort, un vrai boulon. Oui, j'avais un bon cul, je l'ai mis en gauche, je suis bon, oui, mais ça, c'est pas grave. C'est du coup, je m'attends qu'il y a pas mal de gars, les deux, donc, il fait quand même pas mal de gars, il m'a aidé pour un bateau rouge. Je fais 10 aussi, et là, je fais 8. Autant pour moi, je pense que j'ai pas mis. On a mis un double dessus, que j'avais dans les dents. Super satisfait, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai un double maintenant. Lui, j'avais fait un double de 3 ans. Le Pelican que j'ai drop sur les invocations, est-ce qu'il y avait beaucoup d'ambiance que Ken et lui, bah, j'ai pas content. C'est un premier match qui a 3 à 4 personnes. Et j'ai eu le Magnifico. Un doublon, c'était 10. J'ai pas réussi à battre le rose encore avec. Super tech, VGT qui est pas mal, un petit support, attaque de force pour tous les amis, pour attitude passive, pardon. Et premier film de l'XP, attaque de force, plus en attaque conscience, qui est dommage, qui n'est pas de guitare. Puis, putain, tech, mini-air, donc c'est un peu la merde. C'est chiant. J'ai le droit de finir. Il m'a extrêmement aidé pendant le battle round, il est très bon, très limité. J'ai pas du bon, c'est petit direct. J'ai trop de couleurs, j'ai tant de couleurs, qui a un bon support pour l'extrême intelligence, c'est une petite même si j'en ai pas pour l'instant, mais c'est magnifique. Oulala, j'ai vu les. Oula. Oulala. Bon, attends, j'ai vu Vita et Luis qui sont tous les 100%. J'ai trop de Blizzard, j'ai mis Spivit direct, j'ai mis Spivit, je sais pas quoi en faire. Il est assez bon dans Team Extreme, peut-être que j'ai pas de leader pour l'instant, il fait baiser, pardon. Ensuite, j'ai le droit de plus, la passion pour ça, bah, sur les relations de salaire aussi. Et ce qui est pas trop mal, donc moi j'aime bien, c'est une nouvelle carte. Oula! Bon, évidemment, il y a du bitch, c'est une bonne carte. Et là, les amis, et là, voilà, et magnifique. Bon, les trois LR ne sont pas ici. Alors, moi, tout. La partie sans frappe, sur le petit Gogeta LR. J'ai eu la question des utiliser un cycle. J'ai toujours plus de trucs sur un cycle de Gogeta que sur 500, 10 ans de Gogeta. J'ai eu une Gogeta LR. Un doublon de Gogeta. Ouais, bon, ok, j'ai pas eu beaucoup. Mais j'ai eu bon truc. J'ai eu quoi d'autre? Un doublon de lui, je crois. Je regarderai après, je vais vous. Et j'ai vraiment qu'un chat, alors que sur le portabilité, je te jure, à part lui et peut-être une ou deux de bonnes cartes, même pas, sur 600DS, je vais en. Et le petit Gohan LR. Le dernier jour, non, le troisième jour avant la fin des 3 ans, j'ai quitté, je l'ai drop. Je l'ai eu, et j'ai resté collé sur mon écran pendant story, pendant au moins 4 ou 5 minutes. Et le temps que ça monte à ma tête, j'ai pris quand même. Les gens montent à ma tête, mais qu'est-ce que tu fais, ta gueule. J'ai dit, ok. Mais voilà, j'ai mis ce que 10, j'ai pas encore mis ce que 20, j'ai pas mis le ok. Même j'ai drop les 5 grâce aux 3 ans. Grâce aux 3 ans. Ça commence. Je crois que ça commence pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
32 personnages pour les points de 3 ans, c'est quand même énorme. Ouais. C'est la masse, t'as bon ratio, on va dire. Bah, j'ai commencé les 3 ans, j'avais peut-être 220, 280 DS, tout comme ça. Donc c'est pas mal, 250 millions qui arrivent, donc je devrais avoir. Je pense que je vais avoir 30-40 tickets, si ce n'est pas plus. Donc c'est pas trop mal, je vais faire une vidéo pour ça. Ah, quand même dit pour faire une vidéo avec CJ, Castor et un nouvel arrivant, où je peux le faire pour l'instant. Mais c'est avoir un nouvel arrivant dans la Dokkan Bros. Et voilà, je voulais vous montrer un truc. C'était quoi déjà? Enfin, oui, donc petite vidéo information en même temps, une invocation sur les... il y a une campagne pour le prochain Dokkan Fest. Allez tous voter pour Utsi, pour qu'ils aient une carte respectée. Utsi devrait être leader de la prochaine catégorie qui est sur l'univers 6. C'est en même temps très bête de mettre Kali et Kalifa en nouveau leader, parce qu'ils ont déjà des cartes assez fortes, et que si on utilise Kali par exemple en leader de catégorie, on pourra pas utiliser un deuxième carte ni pareil pour Kalifa, alors que Hit il a pas de carte respectée, donc alors que Hit ça ferait une carte respectée plus après Kalifa et Kali, qui du coup ça ferait comme ça faire une utile avec Topo, alors pour Topo c'est pas qui est l'univers 6, il y a Kali. Il y a 6 serveurs et pété, hein. Vraiment très bien. Franchement, j'ai payé un seul verre, peut-être pour qu'on ait. Le jeu pas bien. C'est cool. On a combien de records? Allez, on va faire 2 petits amis. Oui, Videl, oui, c'est bien. Charles, Yem. Zamcha et on s'est fait niquer en fin de deuxième pour le fun. Allez hop hop hop. Ça va quand on fait un. Je trouve que c'est un peu comme ça. 28. Oh putain! Oh putain oui! Ah bah ça c'est le pouvoir d'Alidé. C'est le pouvoir d'Alidé. Je drop le super. L'ailleurs la XP qui est juste mais magnifique. Ils ont fait un très bagage dessus. Bon voilà, c'est une vidéo reprise pour moi, pour ma part. Il sera bientôt une vidéo sur le Battle Royale, du coup deux vidéos sur ça. Et ensuite, les vidéos de 250 millions qui vont arriver. Et cette petite démonstration. Alors je vais arriver à 100% tout le monde. Les commandants du jeu d'ailleurs font ça aujourd'hui. Et voilà. Je vous montrerai. Bah attends, 1, 2, 3, 4, 5. D'abord 6 VR. Vous allez faire une vidéo sous les VR. Est-ce qu'il y a un autre VR s'il te plaît? Il y a Jet Tension qui va arriver avec Piccolo. Je vais essayer de faire une team full super LR. Et vous faire un petit combat comme ça. On verra bien ce que ça donnera avec les ATL. Il y a un bon leader pour les types pour le super. Moi c'est Nitan, content d'avoir trouvé. C'est cool. Je vous souhaite une bonne fin de vacances. C'est sortira, une vidéo sortira, je ne sais pas trop quand. Je pourrais. Quand je serai de vacances ou pas, je vais me télécharger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye tout le monde.